tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ce samedi, on se retrouve de nouveau pour un tuto Fimo. Et ce tuto là, c'est le deuxième en collaboration avec Sandrine de la chaîne Cassimini. Je mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant de cette collaboration, je vous invite à re-regarder la vidéo projet coulé et collaboration. Voilà, la miniature c'est avec Sandrine et moi. Donc voilà, pour savoir pourquoi. Et du coup, comme le premier tuto qu'on a fait en collaboration, celui-ci est aussi en mode pro, tourné en mode pro, il n'y a pas de rigolade, il n'y a rien de tout ça. Du coup, s'il y a un petit peu plus de distance entre vous et moi, c'est normal. Voilà, et en tout cas, si vous voulez un autre tuto avec d'autres techniques et d'autres idées pour ce qui est décoration de Noël, idées cadeaux, etc., je vous invite justement à regarder la vidéo de Sandrine qui sort aujourd'hui à la même heure sur le même thème. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour réaliser un joli bougeoir ange de Noël, vous aurez besoin d'utiliser de la pâte un peu effet pierre. Voilà, donc vous la maxez bien et vous faites deux boules. Une plus grosse et une plus petite. Vous étalez la plus grosse et en fait ce sera le socle. Et ensuite je vais prendre ma bougie et faire un petit marquage. Vous prenez l'autre boule que là vous allez étaler en rond et faire le tour de votre bougie. Donc il faut que ce soit assez épais. Vous enlevez l'excédent et ensuite vous placez juste après le marquage. Voilà, si vous placez dedans, c'est un petit peu trop petit. Donc voilà, mettez bien sur le bord extérieur. Ensuite, je vais mettre beaucoup de farine à l'intérieur pour mettre la bougie et redonner forme un peu à son socle. Je vais m'aider d'un douting tool pour bien que la pâte soit accrochée au socle. Vous pouvez préchauffer au four 5 à 10 minutes et ensuite je vais faire un moule d'une breloque L. Donc là vous utilisez de la pâte à moule, ici j'utilise de l'oyumaru. Voilà, et en fait je vais faire les deux côtés des ailes. Ensuite on va s'attaquer à l'ange. Donc pour ça vous prenez pas mal de blanc et je vais venir former une cloche. Voilà, je regarde bien que ce soit bien proportionnel et je viens bien le fixer au socle. Ensuite, je viens utiliser du blanc pailleté. Voilà, vous pouvez utiliser du blanc si vous voulez, moi j'ai envie de mettre du blanc pailleté. Vous allez faire un boudin assez fin que vous allez mettre tout autour. Vous venez le texturer avec un cure-dent. Puis ensuite, vous allez prendre du blanc translucide avec du bleu translucide et vous allez mélanger. Voilà, pour mélanger plus vite, vous pouvez utiliser d'un rouleau ou d'une pasta à machine. Et en fait, c'est ce qui va servir à faire les ailes. Donc vous enlevez le surplus. Donc là, je vais venir mettre un clou tout en haut du corps de l'ange. Et dans sa tête, voilà, pour que les deux soient bien fixés ensemble sans les déformer. Ensuite, pour les cheveux, vous allez prendre du jaune pastel. Et en fait, vous allez faire des petites mèches un peu partout. Pour faire l'auréole de l'ange, vous utilisez du jaune un petit peu plus foncé et vous allez le mettre également au four. Donc pour les ailes, vous pouvez aussi donner un petit effet, plus d'effet avec un douting tool. Et vous mettez au four. Ensuite, vous pouvez attacher votre auréole et vos ailes. Vous mettez le tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes, puis vous allez faire le visage de l'ange avec un petit marqueur. Vous faites le visage quand vous voulez, moi j'ai décidé de faire les yeux fermés. Pour un effet bien brillant, vous pouvez vernir entièrement votre création. Et une fois sec, vous n'avez plus qu'à allumer votre bougie.